quatre camions transportant la marchandise à destination du territoire des Manono dans les Olomami ont pris feu ce mardi 20 septembre 2022 sur l'avenue circulaire dans la commune Kenya alors qu'ils étaient en stationnement. C'est cette fumée noire qui a semé la panique à l'origine de cet incendie d'origine inconnue qui a pris quatre camions en feu contenant la marchandise qui devrait se rendre à Manono. Les témoins tentent de relater les faits. Ça me l'est mouchi, tu as compris. Donc, tu as su que tu as dit 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 que tu as. C'est pour la deuxième fois que pareil drame s'est reproduit. Pour cette fois-ci, le feu a atteint même les maisons commerciales environnantes. La population demande la délocalisation de cet arrêt des transports pour éviter les pires à l'avenir. Si tu as besoin de ça, comme un coucou moyen, il y a qu'une touche à face dans ma magasin. Il y a un sandi, chaque fois que tu as été là, il y a un peu de pire. Yakwanja rifanika hii kote ingambo ya huko. Tukile tunalomba kwa kwa gouvernement itusaidie kwa ukurai huko hii mainsandia hivi hatutaweza nayo. Hii inakuwa ni habitite sasa hii makamio hapo bashakweka huko. Baitoshe. Les camions anti-incendie n'avaient pas suffisamment d'eau pour éteindre le feu. Aucune perte en vie humaine. Les dégâts matériels sont énormes en dépit de quelques marchandises récupérées sous un regard de la police nationale congolaise.